Moi, chers amis, mais c'est avec un pile plaisir que nous rencontrons aujourd'hui, qui c'est samedi 25 juin, pour nous capables saluer un nouveau trimestre. Et dit un nouveau trimestre, nous avons un nouveau guide d'études. Pour trimestre ça, nous allons étudier ensemble dans le creuset avec Christ. C'est thème ça que nous allons développer pendant tout trimestre là. Nous avons commencé à étudier guide d'études à début aujourd'hui, pour nous arriver. Eh bien, et vendredi qui a 23 septembre, c'est guide d'études ça. Ensemble, dans tout trimestre, nous allons gagner pour que nous soyons capables d'étudier ensemble. Et jeudi, nous allons profiter non seulement introduire guide d'études ça, mais introduire également première leçon, première étude que nous allons gagner dans guide d'études ça. Bien avant même que nous commencions, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et pour ça encore, continuez à faire la vie. Merci pour un trimestre que nous passons. Et pour nos possibilités aujourd'hui pour nous entamer un nouveau trimestre. Tape mon Dieu, Père. Même si on était avec nous dans le trimestre qui est écoulé. Mais dans le nouveau trimestre, au Père, nous demandons que vous soyez ensemble avec nous. Bah, nous même motivation et même plus pour que nous soyons capables toujours et bien, disposer, disponibles pour nous capables d'apprendre des paroles et accorder nous le Saint-Esprit pour nous pratiquer dans la vie. Nous. Bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, amis, moi salio et me content rejoindre nous jeudi à qui c'est samedi 25 juin pour non seulement pour nous entamer un nouveau trimestre mais pour nous capable poursuivre avec étude parole bon Dieu à nous gagner un nouveau guide d'étude pour un nouveau trimestre. Et pas oublier chaque fois ou même ou fin étudier et bien moi gagner un devoir qui me confie qui c'est partager les sens avec entourage pour faciliter plus monde arriver étudier les sons école du sabbat et sous pas de quoi abonner. M'a dit pour éviter de faire ça et encourager l'autre monde fait même gens ensemble avec vous. Et ben trimestre là Jacques nous dit là nous allons étudier ensemble dans le creuset avec Christ. Nous allons essayer ensemble introduire guide d'étude ça. Nous allons essayer regarder pour nous qui ça guide d'étude ça pour aller voter pour nous pendant trimestre à qui ça nous capable attendre nous et avant même que nous entrer dans premier et ben leçon avant nous entrer dans introduction leçon semaine ça. Et ben et thème principal que nous allons voir dans guide d'étude là eh bien c'est le créateur crucifié c'est ça que nous allons gagner pour nous et dans Jean 1 verset 3 il dit tout est venu à l'existence par Jésus-Christ et par rien qui était venu à l'existence sans lui-même toute bagaille a été créée par Jésus et pourtant d'après la Bible nous Jésus eh bien il crié dans Jean 11 verset 35 créateur n'a qu'à crier et ça étonnant plus encore nous Jésus il était méprisé et abandonné dans mitan les hommes. Il est l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Et bien, nos créateurs sont hommes de douleur, méprisés et rejetés. Et un jour, dans Matthieu chapitre 27, verset 46, il a prié comme ça pour dire mon Dieu, pour qui ça ou abandonné comme ça. Et bien, comment tout bagage ça a fait arriver? C'est parce que Jésus, en tant que créateur, nous, hein, c'est lui-même également qui s'est rédempté nous. Et bien, à ce titre, il était le Dieu crucifié, le créateur qui prend sous lui et bien forme nous en tant que monde et lui souffrit une vie de privation et de labeur et achevé sous une croix, c'est-à-dire lui mourit pour même ensemble avec nous. Et bien comme ça nous est créateur nous hein, c'est dans lui-même nous capable mouvementer, c'est dans lui-même nous joindre la vie, c'est dans lui-même nous monde qui nous est jodi a et nous est lui souffrit de manière et bien que nous yon nous pouvons jamais souffrir comme ça. Pas jamais gagner un monde qui capable de souffrir Jean Jésus lui-même lui t'est souffri. Et ben nous pas capable de faire expérience de propre souffrance. Nous capable de faire expérience de propre douleur nous yo, de propre souffrance nous yo, tandis que à la croix Jésus c'est pas souffrance pas lui porter, c'est souffrance pas nous yo, c'est douleur pas nous yo, lui-même lui porter, lui charger tout et ben sur lui bien pour que lui capable ben nous la vie éternelle. C'est acte plus extraordinaire de toute l'histoire cosmique. Avec cet arrière-plan en tête, celui du Dieu crucifié au-dessus de nous. Et bien, nous allons chercher pendant ces 3 prochains mois à comprendre l'incompréhensible. Notre propre souffrance, les souffrances des chrétiens, de ceux qui ont consacré leur vie à Christ. C'est ça que nous allons gagner pour nous capables d'étudier pendant tout trimestre ça. Non pas prétendre que nous allons répondre avec toutes questions. Et bien, que le monde capable poser et gagner même tout un grand nombre de réponses. Mais nous affirmons seulement que Dieu, c'est l'amour. Et bien que il y a un peu de bagages qui arrivent, mais nous sommes capables de faire confiance avec lui malgré tout.
et grandir grâce, eh bien, en les grandir en grâce, en les traversant aussi douloureux que ce soit le processus. Eh bien, très bien ça, nous parlons d'utiliser la parole, bon Dieu, et nous parlons comment, eh bien, l'autre monde, même gens ensemble avec nous, bien qu'ils réunissent deux fois, eh bien, ils ont affronté désespoir, trahison, déception, deuil, injustice, violence. Ils ont traversé tout le bagage. C'est ça, nous parlons pour nous étudier pendant très bien ça. Et nous allons regarder tout comment ils ont géré la situation. Qui ça a même été apprendre et nous-mêmes qui ça nous capable apprendre des exemples. Tandis que nous avons regardé les gens, nous avons regardé l'expérience, l'étude, l'épreuve de foi que nous-mêmes ont fait, qui peut-être ressemblé avec l'épreuve par nous, lutte par nous. Nous devons toujours, eh bien, ouéli selon le contexte de la croix. Nous ne devons jamais oublier que, quelle que soit l'épreuve que nous devons affronter dans la vie, nous, Jésus-Christ, en tant que Créateur nous et Rédempteur nous, il était affronté plus que ça, plus mal que ça, nous-mêmes, nous sommes capables de dire. Bon Dieu, nous, c'est un Dieu qui souffrait. Même Albert Camus, qui pas exactement et ce qu'on pourrait appeler un chrétien, il était compris une partie dans l'implication de la croix et les souffrances de Dieu dans ce moment-là. La nuit du Golgotha n'a autant d'importance et dans l'histoire des hommes que parce que dans ces ténèbres, la divinité abandonna ostensiblement ses privilèges traditionnels a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse de la mort. Eh bien, ou, pour reprendre Ellen White, la croix c'est une révélation à sens nous qui émoussé de douleur que le péché dès qu'il a conçu a causé au cœur de Dieu. Eh bien, leçon nous y a pas théodicée, c'est-à-dire y a une justification de Dieu face au mal, comme nous te dit. Eh bien, c'est une tentative pour aider nous. Leçon nous va lire pour nous utiliser pendant tout le temps ça. C'est une tentative qui a aidé nous à traverser souffrance inévitable que nous devons affronter dans le monde. Eh bien, côté péché, eh bien, il est très facile. C'est comme si son bagage n'a respiré. Ça que nous avons essayé, ça que nous avons essayé de montrer pendant le trimestre, c'est que douleur, souffrance, deuil, eh bien, ne signifie pas que Dieu a abandonné nous. Cela signifie simplement que, même en tant que croyants, nous partageons en ce moment le lot d'une race déchue. La différence, c'est qu'à travers Jésus et l'espérance qu'il offre nous, nous sommes capables de trouver un sens et une raison d'être et dans ce qui peut paraître dépourvu de sens et de but. D'une manière ou d'une autre, même si nous pas capable, même si nous pas capable imaginer comment nous capable et mais nous capable faire confiance en promesse bon Dieu pour nous songer parole ça qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu qui vraiment t'a créé l'humanité mais les t'a souffri et c'est peut-être ça moi-même ensemble avec vous nous doués. Et bien remet bon Dieu ça c'est introduction. Eh bien, guide d'études que nous avons pour nous étudier pendant le trimestre, eh bien, qui porte le thème dans le creuset avec Christ. Et première leçon, hein, et c'est le creuset du berger. C'est ça, nous avons pour nous étudier ensemble pendant la semaine. Et verset nous avons pour nous capter nous comprendre leçon semaine, nous avons Psaume 23 et nous avons Romains chapitre 12, verset 18. À 21. Verset à mémoriser, Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. Ces versets nous gagnent pour nous capables de mémoriser ensemble dans le cadre d'études pour ce maintenant. Qui ça mot Koezea, les mêmes livres dit? Koezea, c'est un récipient, eh bien, il fait avec terre parfois. Et qui servit pour capable fondre eh bien certaines substances principalement métal. OK, c'est comme si c'est un chaudière, il est capable différentes formes. C'est comme si c'est un chaudière, yo gagne pour qu'il est capable fondre métal yo. C'est-à-dire toute matière qui ont été résistant, yo utiliser creuset pour qu'il est capable fondre. Eh bien, et creuset a gagne l'autre sens tout, il gagne sens source ou bien origine. Mais pas de ce maintenant. Nous allons voir ensemble le creuset du berger qui c'est premier et bien étude n'a gagné et bien pour et bien trimestre là. Et yo parlé nous de Sophie qui était appuyé sur porte chambre la caille et puis bon, il glissé, il est tombé. L'autre commencé à courir dans gel et après ça,
il était commencé à sangloter. Bon, comment ça fait? Il est fait. Comment ça fait fait? Eh bien, Sophie Tevin recevait une nouvelle qui était brisée qu'elle. Yon moun li te pense ki te zanmin, yon moun li pense ki te respecte, yon moun li te fè confiance, et ben se moun sa li tande ki a parlé le mal, nan objectif pou kapab ruine réputation, pou kapab ruine travail qu'elle te kon fè. Et bien, pendant que li couché sou kabann ni, li pran Bible li l'appli, et puis li pral tombe sou yon parole ki très familière, yon parole qu'elle kon tande déjà. Kote li di, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bon, pour lui-même, ça n'est pas possible. C'est comme ça que Sophie parlait. Lui, ouais, ça n'est pas possible. Et, bon, logique, là, t'a semblé inévitable. Berger qui n'a somme qui a guidé Brebia sous sentier justice là, mais c'est même, eh bien, sentier ça qui paraît, eh bien, c'est même sentier ça tout qui a conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Je dis, comment ça fait possible que même cette douloureuse trahison d'un ami, cette vallée sombre, capable d'utiliser par Dieu pour préparer les à la justice. C'est-à-dire, il ne pas comprendre, même, eh bien, berger ça cap conduit, eh bien, dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est lui-même encore qui a conduit dans les sentiers, eh bien, de la justice. Eh bien, Sophie, te trouver les bouleversés. Bien, pendant ce matin, nous avons une possibilité pour que nous soyons capables d'analyser ensemble le psaume 23. Nous allons réfléchir dans la première étude nous pour trimestre là. Nous allons réfléchir sur un chapitre que nous-mêmes nous connaissons bien, mais nous allons essayer d'étudier en profondeur eh bien, psaume ça qui c'est psaume 23. Mes réflexions que nous avons pour aujourd'hui, et à quel moment dans la vie vous sentez spirituellement au plus grandi? Est-ce que c'est un moment de bonheur ou bien est-ce que c'est un moment qui est plus difficile? Et c'est réfléchi pour ouais dans quel moment dans vie que ou même ou senti ou grandi plus sur le plan spirituel. Et bien c'est introduction, première leçon que n'a gagné et bien pour trimestre là, le creuset du berger. Verset à mémoriser, psaume 23 verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'était introduction, leçon semaine. Bien avant nous aller, nous prions bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'apprendre parole chaque jour. Et accordez-nous le Saint-Esprit pour nous pratiquer parole ça en vie. Tandis que un nouveau trimestre commence, nous avons un Père qui va avec nous pendant le trimestre. Nous connaissons les choses pas plus facile, mais souvent ensemble avec nous. Je nous ai passé trimestre pour Léa, c'est comme ça nous va passer un nouveau trimestre qui débouche devant nous. Fais grâce, bénis-nous, sauvez-nous, dirigez-nous, nous allons mériter nous pour nous concerner.